Je veux un parc d'attractions. Un jour, Michael Jackson lui aussi eut cette idée. Sauf qu'il avait les thunes pour la réaliser. Pas moi. Mais j'ai les thunes pour acheter un jeu pour faire un parc d'attractions. C'est long. Oh, on a battu le record de longueur de la tour la plus longue du monde. Dans 5 ans, je parle vite pour désamorcer. Je vous présente Squeezie dans 20 ans. Voilà, quand il bidera sur YouTube et qu'il sera mis au vin rouge, que son nez aura triplé de volume et qu'il sera obèse. La bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que je n'aurai pas de calvitie. Allez, c'est parti, on a créé un avatar, je sais même pas à quoi ça sert. On veut pas le voir, le mec qui crée le parc. Il est dans l'ombre, il est là, il encaisse les billets, c'est tout. Alors, objectif, attirer 800 visiteurs et construire 2 attractions. Alors, déjà, qui sont ces gens qui tirent sur la foule, ça va pas ou quoi? Vous êtes fous, vous voulez faire fuir les clients. Ok, donc le parc est minuscule, hein, finalement. Il est pas très grand, il est même minuscule. Là, on a l'attraction, du coup, pour les bébés cadom, hein. Je sais que t'avais pas entendu ce mot depuis très longtemps, mais est-ce que je peux faire une attraction ici? Ici, c'est très propice à une attraction. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le Wild Blue. Ouais, les gens, ils vont kiffer ça. Vas-y, je vais le mettre là, hein. En mode Osef. On va le mettre juste à côté de l'autre. Voilà, comme ça, ils ont pas besoin de beaucoup marcher pour y aller. Hop là, c'est en place. C'est incroyable. Et t'as l'attraction fermée, pourquoi? Ah, faut que je passe l'entrée. Elle est là. Ok, placer la sortie. On va mettre la sortie ici. Ok, et relier l'entrée à l'allée. Bah, c'est très simple. Allez, c'est parti, ça ouvre. Le White Blue vient d'ouvrir, mesdames et messieurs. Ah, regardez, il court. Il court pour la faire. En mode, oh, le White Blue, c'est génial. Sa nouvelle attraction, sponsorisée par Squeezie. Ce gros fils de pute fait le placement de produit. C'est incroyable, on y va. Est-ce que ça s'envole? Oh, regardez, elle est heureuse. Prix du billet 9$. Voilà, un petit plus 50%. Tranquille. Wouhou! Des grosses barres! Allez, on va continuer, on va refaire une attraction. Qu'est-ce qui peut attirer les gens? Ça, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Ça, c'est quoi? Oh, c'est bien ça! Ah oui, oui, oui! C'est validé par la prod! Hop, on est bon. L'entrée, on va la mettre juste devant le truc à guichet. Vraiment, payez! Payez, bande de salopes! Le client est roi chez Squeezie Industries. Allez, ça ouvre! Ça ouvre, c'est parti, c'est la fiesta loca bébé. Allez, venez jusque-là, les amis. Faudrait que je mette un petit stand de nourriture, type pour les attirer. Regarde, boutique et service, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Grande entrée, compte de fées. Ben voilà! Ben voilà, c'est ça qu'il nous faut pour attirer les gens! Comme ça. Voilà. Ah merde, j'ai mal mise. C'est pas grave. On double clique, on clique sur déplacer. C'est pareil dans la vraie vie, hein, croyez-moi. Mon oncle il tient une fête foraine, donc tu vas te calmer. Allez les gens, allez-y, regardez, il y a un beau château. Vous êtes attirés de ouf. Bah voilà. Et encore, j'ai pas augmenté le prix du billet de la deuxième attraction. Bon bref, ça c'est réussi. Le mode carrière c'est bien, mais franchement c'est pour les débutants. Bah oui, le parc il est déjà à moitié fait. Nous on veut du défi. Et ça tombe bien parce qu'il y a une catégorie défi où on commence son parc à zéro et on n'a pas de thunes illimitées. On fait ça dans quoi? Alpes, prairie. Moi je pense que le mieux c'est de faire désertique. Comme ça il y a pas d'eau et on vend l'eau hyper cher et on devient riche. Allez. Ah là c'est juste un chemin pour faire du jogging. Et on vient de loin quand même. Est-ce qu'on commence par juste faire des stands de bouffe? Mec, montagne russe ça coûte 4038. On a combien d'argent? 4000. Celui il est pas mal, The Madness, vas-y on va mettre The Madness. Wow, il est pas mal, attends il est énorme le truc. Ça, ça coûte 3 700$ ça. Mais je le fais dans mon jardin direct. Ok, attends mec, elle est carrément bien. Ça va faire fureur. Y'a des gens qui viennent ou pas? Je crois qu'y'a personne qui vient. Bah personne vient. Mais comment j'attire les gens? Ah y'a 2 personnes, ça y est. Ils s'étaient perdus, ils se faisaient un petit rallye, ils sont crachés. Ils marchent, ils tombent sur quoi? Mon parc d'attraction. Ah je vais les mettre bien. La file d'attente pour The Madness elle est rapide. Mais y'a personne dans mon parc. Mais attends, mais en plus j'ai mis l'entrée devant des bancs. Mais je suis con, les gens vont devoir enjamber le banc pour... Oh là, rien ne va. Allez modif. Non! Mais non, j'avais fait un truc nickel et j'ai plus de thunes pour... j'ai plus d'argent pour finir ces escaliers qui permettent d'accéder à l'attraction. Oh putain, allez, on a fait faillite, c'est reparti. Ok, là, on vient de faire un truc génial. Les gens, ils arrivent, ils rentrent dans le parc tout de suite. La file de droite claque, c'est direct pour la file d'attente. Parce que tu veux tout de suite faire une attraction quand t'arrives. T'as pas envie de voir Mickey faire... Hey, comment ça? Non! Et je mets direct le prix à 12 parce que les gars, c'est le début aussi, soyez compréhensibles. Quand on sera une firme multimilliardaire de parc d'attraction, je baisserai les prix. Mais là, c'est le début. Je suis le pire businessman du monde. Ok, l'attraction ouvre. Et là, on accélère le temps, c'est parti. Oh mon dieu, ils arrivent. Ils arrivent. Ils arrivent. Vous voyez ces gens? Nous, on voit pas des gens. Nous, on voit des billets qui volent. Oh mon dieu, c'est en train de faire de l'argent. C'est en train de faire de l'argent. C'est en train de faire du gros bénéfice, sa mère. Oh, je suis comme un fou. Oh putain, mon gars, on fait fureur avec une attraction, c'est exceptionnel. Et là, attention, qu'est-ce qu'on fait? On repasse en vitesse normale et on va tout de suite construire un petit stand de bouffe. À la sortie de l'attraction, qu'est-ce que tu manges? De la bouffe. Et tu l'as vomi dans l'attraction d'après, du coup, t'en rachètes. 2 fois plus de bénéfices, 2 fois plus d'argent. Voilà, on va mettre le petit chief beef. Un peu pourri. Sinon, ça continue de faire de l'argent ou pas là? Les gens, ils en disent quoi? Ouais, c'est cool, ça marche, ça cartonne. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, faut un truc de. Des toilettes. Et t'as hyper important. Y'a pas des toilettes normales, ils sont obligés de faire des toilettes à thème. Genre, toilettes pirates, toilettes, compte de fées, y'a Cendrillon dans les toilettes à côté. Non? Bon, Bozo le clown, c'est. Non, mais c'est flippant, mec. Moi, jamais, jamais, je me mets cul nu dans cet endroit. Jamais. Alors, la file d'attente, nana, c'est rapide. Je pense que je peux rajouter un wagon, mec. Mais j'ai peur de le fermer. Bon, je ferme l'attraction, messieurs, dames. C'est pour votre bien. Et j'ajoute. 2 wagons. Et je la réouvre. Alors attends, je suis obligé de la tester avant de la réouvrir. Non, partez pas, partez pas. Ou alors, vous pouvez faire une petite pause à la buvette, elle est vraiment cool. Ou au burger, y'a pas de soucis, allez-y. Oh non, ils rentrent chez eux, putain. Oh merde. C'est bon, c'est ouvert, vous pouvez revenir. Revenez, bande de putes. Le client est roi chez Squeezie Industries. Ah non, ils partent vraiment. Puis ils partent, ils déménagent même. J'ai jamais vu des gens aussi pressés de partir.
Ok, il y a du monde qui arrive, c'est bon, on est bien. Les thunes reviennent, les thunes reviennent. Bon, faut que je fasse des toilettes, mec, y a pas moyen. On va faire le village de conte de fées. C'est payant les chiottes? Attends, c'est pas payant. Ça va pas nous rapporter d'argent. Hop, 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 j'ai failli faire une bêtise là. Tout ce qui n'apporte pas d'argent dégage, hein. Bien loin. Oh les gars, le moment tant attendu est arrivé. On va pouvoir faire le white blue, mon pote. Hop, on va le mettre là. Relier l'entrée à l'allée, c'est très très simple. Juste à côté des chiottes, comme ça dans la file d'attente, les gars, vous allez kiffer les odeurs. Voilà, ils rentrent par là, ils ressortent par là, et ça dégage, c'est très très bien. Eh mec, je suis content, ça commence à ressembler à quelque chose ou pas? Hein? On a les petites chiottes, la bouffe, deux attractions. Et l'essentiel est là, hein. Ça c'est vraiment le truc qui a fait fureur, quoi. Vraiment, les gens ils sont hyper contents. The Manesse est en panne. En panne, qu'est-ce que je dois faire? Demander une rénovation. Allez, vas-y, on rénove, on rénove, on rénove, on rénove. Oh, mec, c'est la fin du monde. Putain, heureusement qu'on a la deuxième, hein. Non, mais je comprends pas, il rénove ou pas? J'ai dit rénover. La satisfaction des moyennes visiteurs baisse. Bah oui, mais l'attraction est tout bas en panne, comment je la rénove? Pourquoi il rénove pas? Le mec met du temps à venir, c'est ça, le mec fait la rénovation, il met du temps à venir, c'est ça qui se passe. Bah, mec, sinon je la vends et j'en refais une. Vas-y, je vais faire ça. Vas-y, je la vends. Voilà, The Madness. Ah, en plus, il m'a rapporté plus que ce qu'il coûte. Ah non, il coûte 4000. Oh le con. C'est pas grave, je le refais, je le refais, je le refais. Mec, ça va plus vite. On s'en bat les couilles, nous, on est comme ça. Allez, on la teste et on la relance. Non, franchement, ça allait plus vite. Mais le gars, il est dans les bouchons. Moi, je lui dis, gars, tes bouchons, c'est quoi? Ça va plus vite de reconstruire l'attraction que d'attendre que tu sors des bouchons. Oh, y'a là les détritus, putain d'enculé de gros porc. J'ai mis des chiottes là, j'ai mis des chiottes là, vous jetez les choses. Putain, mais elle est crevée. Le client est roi chez Squeezie Industries. Bon, du coup, j'ai employé v'là les mécaniciens là. Bon, à la fin du mois, ça va me piquer au niveau du prix, mais c'est pas grave. Au moins là, je peux réparer les trucs en 2-2. Manesse coûte trop cher, mais arrêtez vos conneries. Manesse coûte pas trop cher du tout. La vache, ça coûte hyper cher. Ah merde, Manesse coûte trop cher, c'est vrai. Allez, on va le mettre à 12. Et t'as, on est pas mal, putain, l'argent rentre là. Bon, les gars, il va être temps de mettre une autre attraction, on va pas se mentir, hein. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre? C'est un truc un peu familial, tu vois, psychola. Bah voilà, hop, et voilà. Et on ouvre, et au niveau des thunes, 6$ c'est pas assez, on va mettre 9, voilà. C'est parti. Les gars, on commence à avoir 3 attractions, 2 toilettes, un distributeur de billets. Ah, y'a personne. Ah, les gens, ils ignorent le distributeur. Parfait, je rénove, on va tout rénover. Pourquoi personne rénove là? Bon les gars, vous rénovez ou quoi là? Attends, c'est la chute là, je comprends plus. Je suis en train de perdre plein d'argent. Mais regarde, je suis en perte. À cause de ça qui est fermé, j'ai demandé une rénovation rénovée, bordel. Le problème c'est que j'ai pris trop d'employés là, j'en ai pris trop pour qu'ils réparent mais ils réparent pas. Oh non, je suis en train de mener à notre perte, je suis en train de mener à notre perte. Mayday, Mayday 22, Mayday 22. Très bien, ça fait maintenant 4h30 que j'ai demandé la réparation de l'attraction. Mais l'ingénieur, qu'est-ce qu'il fait? Il se balade dans le parc. Oh, faut en dégager, je les paye alors qu'ils bossent pas, ça paye tout, faut en dégager là. Toi, tu fais quoi? T'es viré, tu sors. Putain, on perd trop d'argent, les gens ils sont pas content, les toilettes sont vides, les déchets par terre. C'est un rêve qui se brise. Malgré tous ses efforts, Squeezie ne put sauver son parc d'attractions. C'est la conclusion un peu nulle de cette vidéo. Vous vous attendez à ce que je dise autre chose? Mais je n'ai rien à ajouter. Et voilà, j'en suis à la fin de cette vidéo sur Planet Coaster. Je pense que ça vous a plu. C'est n'hésitez pas à aimer comme d'habitude. Je parle super vite. N'hésitez pas à aimer, ça vous a plu. Moi, ça m'a fait marrer. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un jeu comme ça, une simulation. Ou même quand j'étais petit, je jouais à celui à Zoo Tycoon, je crois. Où tu fais un putain de zoo avec des animaux. J'adore les animaux. Je l'ai pas dit assez cette semaine avec le let's play. Je crois que vous avez pas compris. J'adore les animaux. Et bien, merci d'avoir regardé. Peut-être qu'on fera un deuxième épisode où cette fois on le construira pas dans le désert. Non, non, non. Les gens dans le désert, ils sont vénères. Ils ont chaud. Ils sont déshydratés. Ils transpirent. Ça pue. Non, non. On le fera en Antarctique. À très bientôt. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir payé pour venir dans l'attraction. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Peace.